En fait, il y a beaucoup de controverses autour du PSA, mais une chose dont on est à peu près sûr et qui est partagée par tous, c'est que lorsque le PSA est très bas avant 50 ans, donc entre 45 et 50 ans, on peut doser le PSA chez quelqu'un qui ne se plaint de rien. S'il est très bas, le risque de développer un cancer jusqu'à la fin de ses jours est très faible, donc finalement, il n'a pas besoin d'être vraiment suivi. Ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est après 50 ans, quelle est la place du PSA chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes. C'est la controverse sur le dépistage ou le diagnostic précoce, et ce sera l'objet du débat qu'on va avoir lors de ces journées.